Bigre, il fait tout ennui dans ce jeu. C'est vraiment incroyable. À chaque fois que je lance une vidéo, c'est la nuit. C'est quand même tout bonnement incroyable, j'ai envie de dire. Bon, bref, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo avec Rexounette, du coup. Bon, et Azara. Bon, du coup, ce qui se trame, c'est que on a changé de serveur. On a changé de serveur pour deux raisons. Parce que sur, comment ça s'appelle, Azura 5. C'est cool, c'est no rules et tout ça, mais je n'avais pas pensé à une chose, c'est que ben, vu que c'est no rules, c'est pas que Rexounette qui peut tuer tout le monde, c'est aussi tout le monde qui peut tuer Rexounette. Exemple typique, je vais dans un troupeau, je tue un membre du troupeau et le reste du troupeau me tue. Donc c'est pas terrible, terrible. Donc on a changé de serveur. Évidemment, le combat que vous avez vu dans l'épisode précédent s'est très bien terminé pour Rexounette. Hein. Vous imaginez sans doute que Rexounette a tué deux Spino et un Giga elle toute seule. Mais j'ai préféré de changer de serveur. Voilà, juste parce que Azura 5, ça va pas du tout. Non, en vrai, c'est pas agréable. C'est bien quand il y a un peu de règles. Un peu, pas trop, mais un peu. Là, je suis sur un serveur qui s'appelle Remastered. C'est un serveur russe. Il y a tout le temps du monde. C'est cool. On se prend pas trop la tête avec les règles. Il y en a. Je sais pas trop lesquelles sont. Mais bon. Je sais qu'il y en a. Donc on va rejoindre Azara. On va la rejoindre en vocal aussi. Et puis voilà. On va essayer de pas faire de bruit parce que c'est un serveur qui est quand même très très compliqué. Bah, du coup, on se casse d'ici. Parce que... Il n'y a pas d'eau, il n'y a rien, donc bon, c'est pas terrible comme endroit. Donc faudrait limite j'aille boire avant de partir, mais je suis une Ouais, croquette ouais. donc je m'en fous un peu. Non, mais t'inquiète. T'inquiète, il y en a un qui t'approche là, Rexounette, elle est J'ai faim vénère. aussi, mais ça je peux pas rien y faire. Ah. Ouais, il y a ce qui est. Ouais, la faim, c'est un peu terrible sur ce serveur quand même. Hein. Il y a une carcasse devant. Oh oui! Une grosse carcasse même, ça fait un peu flipper. Hein. Bah, c'est le Spino qui a buté quelqu'un, je sais pas. Ouais. En vrai, Spino, ça, j'ai pas trop peur. Il y en a une autre même. Non, bah, c'est Ok. Ah, mais attaque, quoi. Parce que c'est ce truc-là, mais. Bon, du coup, il y a quand même des dinos qui meurent sur ce serveur-là. Des gros dinos, et ils meurent à la chaîne parce qu'il y en a un juste derrière, quoi. Après, ouais, ce que tu m'as dit pour les TP et tout, ça m'est arrivé aussi. Donc, j'espère que c'est pas tout Pour le les TP. serveur qui est comme ça, tu sais, à chaque fois que tu te bats avec quelqu'un, il y en a qui se Ah TP oui, mais partout. moi aussi, parce que je suis une coude d'Amérique. Ouais, bah toi, ouais, t'es encore plus Forcément. loin, mais. Et moi, ça me l'a fait un peu, je me suis fighté. Ah, Spino! Oh putain. Oh Rex! putain, oh Spino se putain. réveille! Vas-y, tu veux quoi, le Spino, en fait? Après, Spino, tu te Vas-y. défends Ouais, aussi, le solo, mais. non, mais j'ai pas peur. Pas peur de Spino. D'accord, bonjour. Il y a notre Rex là-bas là. Est-ce que tu crois qu'on peut se faire pote avec lui? Je parle pas russe. Oh, c'est pas grave. En fait, un T-Rex, j'ai peur que des T-Rex. Pareil. Est-ce qu'il est gentil? S'il me répond pas, on se casse. Hein. Il fait demi-tour. Moi, je sais pas trop ce qu'il fait. Bon, il a peur. Hein, ça, ok. Il est drogué. Il est drogué. C'est un Rex drogué. Fuis. Je cours, je cours. Tu as combien de pourcents là? 85. En fait, ouais, moi, ce que je me suis dit, je pense que, en fait, peut-être un des meilleurs endroits où s'installer un Rex, c'est Great Falls. Parce que le Rex, pour moi, hein, genre le seul
La seule possibilité de tuer, c'est de le prendre en embuscade, tu vois. Ouais. Et du coup, s'il n'y a pas d'arbre, bah tu peux pas faire d'embuscade, quoi. Tu vois, si tu vois tout le monde arriver et tout. C'est pour ça qu'en fait, je veux être dans un endroit totalement dégagé, quoi. Et la petite rivière là-bas, elle était pas mal pour ça. Du coup, Great Falls est plus dégagé que le petit lac que tu parles. Ouais, Great Falls, ouais. Le lac, il est... Vas-y, on peut essayer. Il y a une clairière autour du lac, mais il y a des arbres pas loin, donc... Ouais. Bah, vas-y, go, essaie d'aller à Great Falls. Bon, la nuit tombe. On va arriver à Gulf Pond. On va boire un coup. En une journée, c'est-à-dire en une demi-heure, on a fait même pas la moitié du chemin. C'est à cause de Rexounette. Elle marche tout doucement. Que vous voulez faire? C'est terrible. En espérant qu'il n'y ait pas trop de monde à Gulf Pond, hein. Parce qu'on croise strictement personne depuis tout à l'heure, hein. Donc je sais pas où sont les gens. Mais à un moment, c'est sûr, on va rencontrer un gros groupe. Peut-être qu'ils sont tous à Great Falls, hein, sur ce serveur, je sais pas. C'est l'objectif. Typiquement, le genre d'endroit que j'aime pas du tout, là. Une forêt assez dense, la nuit, on n'y voit rien. À l'approche d'un point d'eau relativement connu. Le pire scénario, je l'avais pas. Ça c'est vraiment le genre de scénario où ça part en cacahuète. Hein. Je le vois. Ah, je suis coincé dans les arbres, c'est terrible. Non, essaie de retourner vers la... Il a... Ouais, je suis coincé là, faut que tu retournes vers l'eau. Hein. Je sais, je suis coincé aussi. C'est bon, j'y suis. Ah, c'est terrible, il t'a mordu ? Oui. Juste à 3. Ah, il est trop chaud à toucher. Essaie de te coucher, hein. Au pire, tu meurs couché, mais si tu meurs debout, c'est terrible. Je le vois là. C'est vrai que j'ai l'impression que j'arrive pas à le toucher, quoi, à chaque fois. Ah, tu vas mettre 10 ans à régène, quoi. J'ai 4 de blime. Si tu régènes. Pardon, j'ai un train chez moi. Bah, je risque de te tuer en fait, c'est ça qui est compliqué. Oh, il est là. Mais c'est la fin qui va me tuer, je suis à 10%. Non, mais ça va, tu vas régénérer avant de. Je pense. Au moins ton bleed, quoi. Faut juste pas qu'ils reviennent, quoi. Ah, il y en a plusieurs. Oh, merde. J'allais dire aux gens que j'étais gros juve parce que j'ai plus à casser. Oh, GG. Et là, tu vois, là, par exemple, tu vois, typiquement sur ce serveur, je sais pas comment il va se comporter l'autre. J'ai tué son pote. C'est quoi, son. Ici, il s'en fiche, il boit des dents. Bah, je sais pas. Je pense que ça va, je peux encore en casser si il me montre. Ouais. Bah voilà, tu vois, on voulait du monde. On en a eu. Mais dès qu'il y a un IA qui spawn, tout le monde se jette dessus. Ah ouais, bah tout le monde a la dalle, hein. Vraiment. Hein. Tout le monde. Deux bleed, 7%. Il a pas l'air de venir, ouais. Je sais pas, mais... Ouais, personne touche à moi mal, wesh. Vous êtes des fous. Et là, il y a un gros truc qui arrive qui doit le shot.
crois que t'as le pire mal au monde, en fait. tant qu'il a des bons gènes, c'est pas grave. Pour me faire des beaux bébés, là. Orange. Ouais. C'est bon, t'es full ? Oui. Ok, bon, pas se casser, hein. Je finis juste me full. Ah ouais, mais j'avais essayé de rapporter plein de gens sur Azura pour faire X, y'a personne qui voulait. J'étais dégoûté. En vrai, je comprends, faire un règle, c'est un peu chiant quand même. C'est long, tu peux recommencer plusieurs fois. Bah, eux, c'était sur Azura qu'ils avaient pas envie. Ouais, bah en plus, ouais, je comprends, c'est encore plus. Bah, par contre, là, vraiment, la forêt, elle est vraiment toute morte. Faut vraiment pas rester là. Hein. Vas-y, viens, on va boire ailleurs. Sérieux, si tu as soif. Oh! Oh non, oh non, 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 j'y vais pas. Mais moi, j'y vais, j'ai faim. Je me cache. T'as pas faim toi? Oui, mais il va y avoir des trucs dessus, c'est sûr. La panique. Il va y avoir toute la map sur la main. Est-ce que je l'entends? Mais ouais, il est par là-bas. T'as combien de pourcents? 45. Je pense qu'il va falloir que tu viennes le manger quand même. Il n'y en a vraiment pas beaucoup qui spawn. Je le tue, je. Je fais attention s'il y a personne. On est peut-être tout seul, mais ça fait deux fois que je me lance sur un IA et que je me fais défoncer juste derrière. Yeah. C'est quoi ça? Ah non, c'est un rocher ça. T'as le spino, attention. Vas-y, là va. Non, c'est bon, tu peux venir. Hein. Oh, bah, j'arrive. La panique, y'en a 20, je me cache! Il y en a deux même, je crois. Ou alors c'est. Attends. Non, c'est un rocher. Tu l'as buté là-bas? Non, non, j'attends qu'il soit au milieu de la plaine. Genre là. Ok, je me dis, y'en a un autre ou quoi? Ben, je vais prendre une bouchée ou deux et. Ah, mange-le, c'est bon, c'est bon. Moi, je suis. Je suis à 75%, ça va. Quand tu es adulte, après, en vrai, que ça descend beaucoup moins vite, en vrai. Sub, c'est vraiment là. Ah, ça baisse tellement. Ouais. Attends, le chat, combien? 62. Vas-y, mange tout. Hein. Comme ça, on sait que s'il y a quelque chose qui spawn, c'est pas nous. Hop, rip. 83. Waouh. Et là je suis jeune stop, t'imagines. Ah non, c'est terrible. Hein. Vraiment, je crois que c'est le pire. Un des pires. Pas le pire gameplay, mais le plus de pression à jouer le T-Rex sub. Sur ce serveur en plus, parce que dès que tu entends une IA, tu as envie d'y aller. Et tu te dis, ouais, putain, si j'y vais, il peut y en avoir plein d'autres. Et tu peux pas trop te défendre, enfin. En vrai, fin. Pour un peu de challenge, c'est bien d'avoir peu d'IA, mais c'est ça, tout le monde se lance dessus. Bah c'est ça. Moi je préfère. Je préfère largement quand il y a. Quand il y a très peu d'IA. Mais bon après ça fait rager quand tu meurs de faim quoi. Ça fait vraiment rager. Bon. On arrive enfin à Great Falls. C'est là que mon mal Rex, Orange, Azara. Va probablement devenir adulte. Il n'y a pas de forêt. Là, on est vraiment cool ici. Hein. Oh, carrément. Ah ouais. Oh, Carnot, on le rattrape jamais. Non. Oh. moi, je suis pas gentil, moi. Attention, j'ai un jeune à protéger. Je rigole zéro. Un bras cassé à protéger. Marteau le cardon. Paf, voilà. Ici c'est cher avec Soudette. Bon maintenant,
Tous ceux qui viennent ici, c'est tout simplement le gibier de Rexounet. C'est son territoire de chasse. Tout intrus est considéré comme une carcasse, tout simplement. Voilà. C'est tout, hein. Puis, je sais pas, hein, peut-être qu'un jour on partira, peut-être qu'un jour on partira pas. On verra bien ce qui va se passer, mais là, pour l'instant, c'est plutôt calme. Un Carnot, un Trek Sub qui va certainement pas venir. Le Carnot, il est là-bas, par contre. J'ai dit quoi? J'ai dit quoi, le Carnot? J'ai dit que c'était chez moi. Je suis désolé, t'étais là avant, mais t'es moins fort. Il essaie de se caler sur son rocher et... Alors là, par contre, dans la plaine, pour rattraper un Carnot, laisse tomber, hein. On va essayer, on sait jamais, hein. Qui ne tente rien à rien, comme on dit. Il est où le bougre? Oh, il est pas loin. Normalement, il m'a pas vu. Il s'est coincé. Ah, j'ai failli l'avoir. Je suis tellement pas passé loin. Quel dommage. Ah, mais quel dommage. Il était coincé là-dedans, là. Oh, là, 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 là. J'aurais mis mon sprint, genre... 2 secondes après. C'est bon. Bon, j'ai une poule là. T'as fait encore? Non, oui, mais je crois que le Carnot est allé manger. Je suis à 40. Ah non, elle est là, elle est devant moi. Ah ouais, c'est un puissant fond ce Rex. Ce Baduc là. désolé. Je monte à 80, je redescends à 40. Écoutez, on va se poser. Puis voilà, c'est tout. On va rester calme. On va prog.